Et nous revoilà, nous sommes toujours avec Zeken, Non, je toujours suis parti. chaud. Ah mince, ah, où est-ce qu'il est passé? Bah évidemment, toujours chaud pour une troisième game. Là, tu vois, on va bien sentir la pression des deux équipes. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc si les équipes m'entendent là, déjà sur le live, parlez pas pendant la draft. Concentrez-vous pour la draft. Parce que s'il y a une draft diff, bah voilà quoi. Vous saurez pourquoi. Et on reste sur les mêmes côtés, les over the top en blue side et les hinting canards en red side. Donc les over the top ont choisi de garder le blue side. Oh, ils doivent avoir une stratégie particulière hein, parce que bah les deux wins c'était sur le red side. Du coup c'est bizarre, c'est original. Et on est parti sans plus attendre pour cette draft de la troisième partie. Donc Inting Canard contre Over the Top. Pipa poupipou. Pas du tout. Ouais, allez! Ah, Ah, le bad Gwen! Gwen qui a fait qui a créé beaucoup de larmes. Des larmes de sang dans lesquelles se sont baignés les Inting Canards. Dans lesquelles s'est surtout baigné Gwen. Je comprends qu'elle soit banne. Et on banne le Galio. On banne la compo précédente des Hinting Canards. Ah ouais, mais attends, mais du coup, ils avaient ban quoi? Ils avaient ban La avant, ils Harry, avaient Diana. Aatrox Harry, et Aatrox, Aatrox. Diana. Ouais. Oh là là. Là, ils pourront pas ban les trois. Est-ce qu'on va ban le Kennen? On banne la compo. Symboliquement, ça ferait beaucoup de bien au moral des Hinting Canards. Et ça les pousserait peut-être à Ah, Hint. la Diana, on cut la Diana. Oui, bah Diana est extrêmement forte actuellement. Je sais. Faudrait qu'on vérifie, mais je crois que à chaque fois que Diana a été sortie pour l'instant dans la compétition, elle a gagné. Y a pas une game où c'est pas passé? Bah justement. Mais il y a peut-être eu une défaite. Voilà, c'est pour ça que je suis pas sûr Oui, à 100% de ce que je dis. moi je me rappelle, enfin dès que les Diana sont sorties, il y a souvent les Yasuo qui ont avec. Et du coup, first pick Corki. Et First pick. réponse, peut-être, de Harry, qui du coup n'a pas été ban. Ouais, Corki qui n'a pas été ban du côté d'Inting Canard, on a hésité à le mettre en troisième ban, finalement on a choisi Syndra, je pense, en se doutant bien que ça laisserait Corki open, et on s'est jeté sur la Dommage. Harry. On est sur les deux mains des deux midlaners, les deux champions qui sont toujours pick ou ban à chaque game, ils vont s'affronter, duel au sommet, qui sera le meilleur midlaner? Mais en termes de match-up, je pense que Harry a clairement l'avantage parce qu'elle peut vraiment être très agressive au niveau 6 et aller chercher un Corki avec notamment son charme. On a vu qu'Albireo était un midlaner très agressif dans la partie, notamment la deuxième avec son Kennen, où il n'hésite C'est pas à faire vrai. des go-in dès qu'il a l'occasion. C'est un joueur qui sait mettre la pression. On va voir comment ça va se passer, mais effectivement, je pense que la balance penche un peu plus vers le red side. Et on pique Xin Zhao pour accompagner cet Ahri et Rakan du côté des OTT. Ouais, bah. Par Rakan de Colonel, il est très bien. Peut-être qu'il manque un peu, des fois, de vraiment d'essayer de faire des engages agressifs, d'aller chercher un peu des choses. Mais son Rakan défensif est pixel. Hein. Y a pas à dire. Ouais, Colonel qui n'a encore fait aucune erreur de son côté sur ces deux games Rakan, c'est une valeur sûre. Oui. Alors, je serais pas là à dire qu'il a fait aucune erreur, mais il fait de très belles prestations sur son pick, en tout cas. Et il est accompagné de Jinx. Ouais, alors, je suis pas convaincu du combo Jinx-Rakan. C'est souvent pour pas la laisser à Akai. Akai qui, lui, prendra une Miss Fortune. Alors. La Miss Fortune contre Rakan, je suis pas convaincu. Je suis un peu sceptique, Miss Fortune pourra pas placer de R normalement. Après, face à Jinx, Miss Fortune c'est un bon match-up. C'est vraiment le Miss Fortune face Oui. à Rakan qui prête plus à confusion comme choix. Oui, tout à fait. Après, je pense que, enfin, Akai a juste à peut-être attendre un Z du Rakan. Enfin, il y a des moyens de pas se faire, qu'il se fasse pas arnaquer. Il suffit juste de mettre son ulti au bon moment. Mais ce serait quand même un peu
compliqué. Alors qu'on a ben le Darius pour Yvetot Canard, le Darius de Satisfaction et éventuellement le Viego de LR, ou devrais-je dire le LR de Viego. LR que j'aimerais bien voir sur un autre pic, parce que son Viego est pas mal, mais je trouve qu'il est un peu timoré sur son Viego. Que ça soit en early game ou même un peu plus tard. Bon, là, la deuxième game, c'était un peu compliqué de faire les choses avec Viego, mais ce sera finalement un set qui sera supprimé. On continue les bonnes hein, sur Satisfaction. Qui ne pourra pas être Satisfaction cette fois-ci. Satisfaction qui, je pense, gagne la guerre des bans de top laner hein, ce soir. Oui, peu importe l'issue de cette game, il aura au moins gagné ça. C'est déjà ça, c'est déjà je pense à un gage de supériorité. Hein. C'est Grimmer qui est en train de dire le mec est trop fort, bannez-lui ses champions et voilà quoi. Oui, c'est clairement un aveu de faiblesse hein, de la part de Grimir. Et Elnia qui nous signale qu'effectivement il y a le Horn qui est open, qui en général est pick ou ban à la top lane. Après, je pense que c'est pas trop un truc à dire, genre. Bon, les gens ont accès au chat, hein. Oui, en vrai, c'est vrai. Pour le coup. Ah, mais c'était pareil avec le Kennen, hein. Quand tu dis qu'il était mid. Et moi, j'étais là en mode. Ouais, mais genre, ils sont pas censés savoir que. Enfin, s'il est OTT, ça va pas qu'il est mid. Genre, t'as leak, quoi. C'est bon, il y a R. Bah moi toutes les infos vont pour nos viewers. Oula. Alors Horn, d'accord. Et encore pick Horn, voilà, contre. Alors qu'il y a le Aatrox Open. Pas convaincu non plus. Je suis pas convaincu non plus par la Elise. Ah ouais. Bah Elise qui est pas le champion actuel en Et même jungle. au-delà de ça, genre, en fait, Elise, hein, peut avoir qu'une seule target, c'est l'AMF, quoi. Parce que la rip peut assez facilement, comment dire, esquiver le combo de la Elise. Et puis après, bah, on a du Xayn, on a du Alistar, on a du Aatrox, donc c'est dur pour Elise de faire du one-shot. Après, si elle attrape la MF, elle lui fera très très mal. Et on a quand même le fait que bah, Elise, dans sa jungle, elle a beaucoup de mobilité, elle est dure à catch. Elle peut beaucoup harass. Peut-être qu'elle aura une grosse présence de cette façon-là, on va voir. Ouais, mais La Elise de Heller est archi forte en tout temps. On a un fan club Heller qui est présent. bah c'est le coach Artemis, me semble-t-il, non? Ça l'empêche de faire partie du fan club? Non, pas du tout, mais c'est normal quoi. Bon, non, non, non. Bah imagine, t'es coach d'une équipe et tu sauces, je sais pas, genre le mid laner de l'autre équipe, genre. Ah bah, moi quand j'étais coach, Alors oui. mes joueurs fallait qu'ils fassent leur preuve avant qu'ils aient droit à des commentaires comme ça, hein. Alors à l'aide, on a un petit problème de Nightbot. Enfin, c'est même pas un problème, mais faut qu'on le reconfigure un peu. Il aime pas trop les caps. Il aime pas aussi quand il y a plus de 3 émotes. Non mais t'excuses pas, hein, c'est nous qui nous excusons. Oui, vous n'êtes pas encore 3000 sur le chat, on devrait pouvoir vous laisser vous enflammer. Si vraiment contourner un peu du coup les caps, mettez genre plein de points d'exclamation pour vraiment ressentir que vous êtes en train de crier. Oui, c'est autorisé ça? Bah je crois. Hein. Tu crois que Nightbot laissera passer plein de points d'exclamation? Bah après faut pas être genre un main Garen et genre mettre 20 points d'exclamation. A priori, ça ne pa a priori, ça ne passe pas. Attends. Ah non, ok, c'est bon. Ah non, Nightbot a banni Alette pendant 600 secondes. Ah, il va falloir que je me connecte pour le déban. Ah oui, c'est ça, 600 secondes. Ah ouais, non.
Vas-y, attends, je vais faire ça rapidement. Ça ne peut plus durer. Allez, tu ne mérites pas ça. Non, j'avoue. Bah, ça nous est pas arrivé jusque-là parce que là, il y a Bien le vu. guest limite. Bien On l'a vu, un peu Nightbot. forcé à avoir. Ouais, c'est bien si tu y vas parce que je me rends compte qu'en fait, je sais pas du tout où est-ce qu'on peut débattre les gens. Bah, nous, c'est ça, on a essayé de donner les pleins pouvoirs à une machine et voilà comment ça finit. Je vois les messages report par le Nightbot. La tyrannie doit cesser, fuck le Nightbot. Et nous sommes Alors. partis pour les 3 minutes d'attente réglementaire. Les joueurs ont Alors. été un petit peu longs à faire la draft en jeu. Ok, c'est bon, j'ai disable tout ça. Il y a juste les links qui n'ont pas le droit d'être mis, sinon vous pouvez mettre des caps lock et tout. Genre. Et est-ce que t'as pu déban à l'aide? Bah ça, on va faire via le stream, non? Ah, je sais pas du tout comment on fait. Attends, je vais m'en occuper, t'inquiète. Vas-y, anime le truc. Oh là là, la pression que j'ai là. C'est tir à trappe. Oh, j'étais pas prêt à ça. Allez, anime mon Vite. con. À l'aide, est-ce que tu nous entends? On va bientôt sortir de là. Accroche-toi, on sait que t'es au fond du puits. J'arrive, mon bonhomme. Mais tu vas t'en sortir. Et on a Asher Sport White, le support des Hellriders Origin, qui dit qu'il aime bien les 2-1. A priori, il aime bien les 1-2 surtout. Les 1-2. Oui. Oui, oui. Oui, je pense. Mais Oui. ça c'est à lui de nous le confirmer. Hein. Game qui n'est pas encore en replay sur YouTube, je crois, ça ne saurait tarder. Mais qui sera en replay, que vous pourrez aller voir, c'était aussi un BO3 entre les Hellriders eSports et les KZS Titans. Ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. C'est basse. Ok, Oui, c'est. c'est bon, à l'aide des débans. Oui, c'est très très bas. Mais de toute façon, vous savez que tous les coups bas, on n'en pense pas un mot. À l'aide, mon grand, tu es en dehors de la prison. Parle-nous, dis-nous que ça va. Alors. Artemis qui n'est pas coach. Ah, excuse-moi, je. Une merde. Voilà, c'est dit. Nightbot, t'es mort. Alors pas encore, hein. Essayez Nightbot qui est encore en vie. de mettre des caps. Qui veut essayer un peu là? Ah, mais Voilà. c'est bon, il l'a fait. Oui, ça a été fait. Ça a été fait, après je pense qu'à l'aide, il a Ok. pas trop envie d'essayer non plus. Ah Ça y si, est, si, si. il peut tirer son équipe. Excellent. Go Voilà. Team Bordeaux. Désolé pour le dérangement, évidemment. Mais c'est pas nous, c'est notre modérateur un peu C'est le dissident. Nightbot, oui, c'est. Nous on était contre, il est venu, il s'est mis là, on n'avait pas le choix. Très très compliqué. Et ouais. Qui aura le droit au 1-2 ce soir et qui aura le droit au 2-1 surtout. Putain, mais tu sais qu'avec toute cette merde, on a même pas parlé des drafts. Oui, vous dans le chat, quelle équipe préférez-vous? Et toi Zeken, quelle est la meilleure draft? Ah bah, dans Zinkar, enfin, frère, la Elise, alors, la Elise est sus, d'un point de vue, après, même, je comprends en fait le move d'avoir un champion early, pour compenser, bah, du coup, on a Ornn, on a Corki, on a Jinx, donc on va aller late game, et du coup, avoir un jungle assez fort en early, ça permet de tenir. Mais il y a du Jarvan disponible par exemple qui n'a pas été pick. Et du coup, entre ça et le fait que Grémir ait pu avoir Aatrox open qui en plus sur un counter match-up, ça peut faire très mal. Grémir sur une bonne lancée là, après sa game Gwen. Grimir qui va vouloir se taper violemment.
Et ça y est, nous sommes partis, on arrive en jeu. Et l'heure est puissante, Elise est puissante, Jungle Diff obligé. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite à Heller. Et qu'on souhaite aussi, bah, du coup, une team canard, deux équipes qui s'affrontent dans une troisième et ultime game dans ce BO. On rappelle que Linting Canard cherche leur première victoire pour l'instant dans cette ligue, alors que les Over the Top ont déjà gagné une game. En tout cas, les deux équipes se sont garanties au moins un point. Les Nittin Canards ne seront pas fannies dans ce tournoi. Tout à fait. C'est déjà garanti. Les Over the Top, même s'ils perdent ce BO, auront quand même un point, ce qui les montera à 3 points. Donc, quand même la deuxième place. C'est vrai, donc même s'il y a une défaite, ça reste une défaite acceptable. On limite la casse. Mais attention parce que les Overtop qui n'ont pas encore rencontré les. Non, ils n'ont pas rencontré les 4DS Titans. Ils les ont pas rencontrés, c'est la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, les KDS Titans ne jouent pas. C'est dans la quatrième semaine. Et bah, les 4DS Titans qui sont bah, les titans de ce groupe, véritablement, qui même s'ils ont drop une game, c'était hier. Ils Juste ont drop une avant. game hier face aux Hellriders Origins. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était ma ligne de défense pour dire que la Eri pouvait faire du taf. C'est que hier, et pauvre White qui est présent et ça tape sur lui, hein, malheureusement. Hier, il y a eu un pic Blitzcrank qui sortait d'absolument nulle part, qui n'avait pas de sens Ah oui. et qui nous semblait vraiment absurde pour la draft. Et finalement, bah, ça a été une victoire pour les Hellriders Origins qu'ils ont très très bien pris. Donc, peut-être que les OTT vont aussi, avec un pic auquel on s'attend pas, qui nous semble un petit peu suspect, faire une très bonne partie, ça peut arriver. Genre la Elise. Hein. Genre la élite, complètement, Non, c'est ciblé. parce que le reste de la draft est fine. Hein. Ouais, En fait, tu mets un Jarvan, c'est la draft est meilleure. Attention, toutefois, Connor qui met un petit engage, Mais qui se fait mais péter la gueule, Shuket qui hein. répond bien. Bah ouais, bah. Il va pas mourir, mais. Alors, je suis pas un expert botlane, mais c'est un peu cringe de se faire ratio par un Alistar niveau 1. Bah, c'est surtout un peu cringe en tant que Rakan de faire un engage et de se faire péter la gueule à ce point. Et pour le coup, le Rakan n'a pas le droit de faire son engage à ce moment-là, juste à côté du Alistar qui peut bah, faire une atomisation gratuite. Et Oui, bien puis joué de la part de Shuket d'ailleurs qui a bien répondu. avec Rakan on est rapide. Heller qui fait son gank au mid, Albiro qui flash directement, le cœur au rattrapage, on dodge le cocon de la Elise, on lui met quelques dégâts. On s'en sort Ouais. sans trop de casse, ça a un peu transpiré hein. Si le dodge passait pas, Albiro avait flash très tôt, il avait plus rien pour s'en sortir, ça aurait pu coûter très cher. Ah, oula, attention, je viens de recevoir le cocon de Elise qui a été un peu dévissé de la part de LR, qui est parti un peu n'importe où. Mais au moins, il met de la pression et force le flash sur la Ahri. Ouh, je crois que je suis très en avance sur toi alors. Ah ouais, t'es à combien? 3, 25, 6, 7, 8. 8, Ok, 9, non, on est bah bon, on est bon. ouais, c'est bon. Oui. On est bon, Non, parce que mon mauvais. c'était le cocon dans le gank. D'ailleurs, deuxième gank de Heller qui cette fois touche au cocon avec grâce à un flash. Il sent le First Blood pour Droppers sur Corki. Oh, le First Blood sur Corki, c'est Mamma Mia, hein, j'ai envie de te dire. Très très bien pour Corki. Voilà, on pariait sur la mid lane à l'avantage de la Ahri. Et pour l'instant, bah, grâce à ces ganks de Elise à répétition, Corki est bien. Très bonne chose pour les OTT. Enfin, eh bien, il a pris un first kill, c'est bien, mais. Ouais, il a un first kill, il a une avance au farm. C'est confortable, ça lui permet de tenir et d'avoir l'avance nécessaire pour qu'une fois niveau 6, il se fasse pas poutrer par la Ahri. Et attends, le Corki qui a pris un sceptre vampirique, ça veut dire que ce Corki qui a joué plutôt critique. Et non, le stuff Omega Broken, je te two-shot avec mes missiles. Attention, parce qu'on va faire un go-in sur Shuket, très bon flash-out de Sissimonis. Ok, on va rester bien défensif et on va mettre un bon trade en retour à Shuket. Mais j'ai l'impression que la botlane Nikar a largement les devants. Oh, Et donc. le bon ricochet de la Miss Fortune qui met des gros dégâts. Et c'est un Alistar de toute façon avec son passif, il va se régénérer. Si on ne le tue pas, Ouais. il s'en remettra. Ah, il est Et déjà full life, hein. voilà. Et Heller qui fait un gank, enfin qui est en place pour faire un gank bot.
On va voir du côté Nittingana, on va s'empaler sur Oula, oula, Aegis. oula, 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 oula. Est-ce que ça va être suivi? Et attention, parce que la Jinx, c'est un peu loin. Et on rate le Z. Sur. L'avantage du rush phasique, hein. Ouais. On a quand même claqué le heal hein, pour Akai, mais c'était plutôt un heal de sécurité. Oui, on a transpiré. Ça ne changera pas grand-chose, je pense, à terme. Et comme à l'accoutumée, Vince qui va aller jouer ce premier Drake, là, niveau 4. Grâce à la priorité donnée par ces deux lanes. C'est bien, il faut C'est battre le fer tant qu'il est trois chaud. fois, hein. Trois fois le même schéma. On va voir si ça leur portera chance comme à la première game ou si ça s'arrêtera là. Enfin, si ça leur portera chance comme à la game précédente ou si ça s'arrêtera là comme à la première. Ça porte la chance comme la première game. C'est un peu vache, hein. Ça c'est C'est dommage. dur, Ouais, non, non, hein. c'est pas ce que je leur souhaite. En tout cas, bizarrement, ça s'est pas trop bataillé au top. On voit sur le farm que Grémir a largement l'avantage et que Satisfaction joue vraiment très très safe. Après, Grémir vient de faire son bac alors que cette faction l'avait fait beaucoup plus tôt. Malgré tout, il a une avance confortable au farm. Ouais. À la mid lane, c'est très close au niveau du farm et on a la Harry qui a eu son niveau 6. Ouais, la hélice qui. Je pense qu'elle essaie de trouver des fenêtres de gank, mais c'est un peu compliqué. C'est là aussi un pick comme hélice a un peu du mal parce que. Ah, attention. Le gank Ouais, sur la Elise. et l'heure qu'il a rien. Il y a rien pour retomber. Hein. Et Il a l'heure qui pas de va être flash. récupérée. Et c'est le kill impris par Vince. Un peu. Ouais, le pick hélice qui est déjà en difficulté. Ouais, Chouquette qui est. Wow, le prédic flash de Chouquette, très très bon pour claquer le stun, mais Droppers qui va. Ah, il va survivre! Droppers Il va qui s'en survivre! sort à moins de 10 PV. Comme dirait un célèbre tennisman, la chatte, la chatte, la chatte qu'il a. Ça a été très bien joué du côté des Nittingana là-dessus. On avait la Harry qui arrivait, qui a eu ses 3 R, qui a pu suivre le Corki, forcer au flash. Chouquette qui a fait un très bon travail avec son Lista. Et malgré tout, Droppers qui s'en sort in extremis et qui du coup ne retombe pas derrière. Après, j'ai l'impression que c'est déjà compliqué hein, pour les over the top. Y a 1-1, j'ai l'impression que les Nittingana sont vraiment très devant. Et surtout, avec ce super combo de Akai, qui même s'il marche dans les pyromasheurs, ne cancelle pas son ulti. Et la botlane, la vraie diff de botlane. Hein, on n'avait pas trop vu ça. Les deux botlanes qui se rendaient un peu coup pour coup sur les deux games. C'était assez even, j'ai envie de dire. Et là, cette fois. Botlane over the top qui a un peu du mal, j'ai l'impression. Oui, on a vu que Sissimonis était très à l'aise et pouvait faire de très belles choses avec son Ezreal. Là, il a voulu deny la Jinx de Akai. Est-ce que c'est peut-être une erreur et du coup il est un petit peu moins à l'aise et arrive à tomber derrière? On va voir. Le très gros ricochet sur le Rakan qui lui met de bons dégâts. Miss Fortune qui est présent dans les pyromasheurs, mais Yelis qui est pas loin. Le Ouh, le Coco très qui bon passe sur la Miss combo! Fortune. Go in Delize, on force le flash out pour Akai. Chouquette qui est en danger aussi. Peut-être le double kill qui va être récupéré. On met l'ignite sur Chouquette qui y retourne. Miss Fortune qui veut récupérer un kill qui amortit la casse. Chouquette qui va tenter de se suicider. On laisse le kill au Rakan. C'est bien joué des Nittingana. C'est bien joué de Over the Top. Il y a du sang partout. Ça nous fait plaisir. Alors, à un pixel près, ça aurait été incroyable pour Nittingana qui aurait pris deux kills sur ce gank. Et en plus, c'est Simonis qui ne prend pas de kill. C'est Simonis qui prend pas de kill et très bon réflexe de Chouquette de dire bon ben on est condamné, c'est fini, amortissons la casse, il se retourne brutalement, Miss Fortune qui met un très gros ricochet qui aurait pu Ouais. être beaucoup plus douloureux que ça. C'est bien amorti et en plus kill sur le Rakan et la Elise, c'est beaucoup moins grave pour la botlane que si Jinx avait eu des kills. Tout à fait. Oula, le. Albireux qui brasse de l'air. Mais l'heure qui se refait attraper, on n'a pas de point de chute pour. Et l'heure qui claquera son flash. Ah, c'était Liska.
peu du mal, qui essaye de faire des choses, mais 49 creeps déjà, c'est. Et l'écart, je pense, va se creuser à terme. Alors, attention, Connor qui va pas te connecter son ulti, très bien joué de la part d'Albiro, qui va flash out into charm le Rakan pour pas se faire toucher. Pendant que le reste de son équipe est en train de faire le héros de la faille. Si Colonel avait touché la Harry, c'était probablement le kill là-dessus. Ça a été un move très agressif, ça n'est pas passé. Bien joué Albiro qui a eu bon réflexe de flash. S'il l'avait grid un tout petit peu, je pense qu'il serait mort là-dessus. On voit qu'il connaît le perso, hein. C'est pareil sur le premier gant de la Elise où ça respecte et ça joue très bien les phases un peu défensives avec cet Harry. Ça ne flanche pas. Peut-être Alors un dive. On a que. Vince qui est en Oh, aïe position aïe offensive. aïe. Oh, c'est dur. C'est dur pour Satisfaction. On claque le Herald. On ne perd pas de temps. On va peut-être laisser back le Horn et juste prendre la tour. Et Ah, il Satisfaction cancel qui ne son back bot. pas. C'est bien exécuté comme dive, c'est propre. Ouais. Mais Corki qui est là, qui va Oh peut-être oui, le récupérer package Vince. de Droppers. Oh, c'est bien joué. Oh, Droppers, on n'a pas vu venir Droppers avec. Oh, ils prennent le Drake en plus. Très très bien pour les OTT ça. Ah ouais, le retournement situation. Très bien joué hein, de la part de Droppers qui choisit de mettre son package au top et ainsi prendre un double kill. Et pendant que le reste de sa team conteste le drop qui était amorcé par Vince. Bah, le dive qui était une bonne idée à la top lane, mais qui a été. On a eu Vince qui s'est montré, qui a attendu longtemps avant d'amorcer le dive avec le Herald, ça a traîné, ça a laissé le Ouais. temps à Droppers de revenir et de récupérer ce double kill. L'action était bonne, mais peut-être pas assez incisive, et les over the top en ont très bien profité. Droppers qui a pris un doublé, qui est maintenant en 3-0. Ça va devenir Peut-être. compliqué d'arrêter Skorki, hein. Peut-être une erreur de la part d'Albiro qui a back son mauvais timing. Hein. Il y avait deux actions sur les deux lanes et Albiro qui a fait son back à ce moment-là. C'est un peu dommage. Qui aurait permis au moins de sécure le Drake ou de le cancel. Parce qu'il me semble que c'est elle hein, et les OTT qui ont amorcé ce Drake. À la vue de Vince au top. Et du coup, plutôt bonne opération hein, des over the top là. Hein. Avec le Corki à 3-0, à quoi? Ah, le Personne. save Anti-Rex, c'était pas pour le. Tu sais, il fait le. L'Hydre Voice son first item? Et Albiro qui est très agressif sur ce Corki qui arrive à mettre le cœur, qui met de bons dégâts et qui baisse Droppers mid life. Mais attends, ça se fait. Hydro Titanesque en first item? Alors moi j'ai jamais vu ça, mais Bah, moi non je suis plus. loin d'être un spécialiste de Corki. Je pense que 90% des Corki que je vois, c'est dans la ligue. Et c'est Albireo. Donc il n'y a pas une diversité de stuff énorme. Je Et on crois a qu'il y en aura. Shouket très agressif. Les Pyromasheurs, ça s'arrêtera là. Parce que je crois que généralement le Corki. Comme l'a joué Albiro la game. Attends, c'est Albiro qui avait joué oui, game 2. La game 1. La game 2, Game il avait 1. joué. La game 1, Ah c'était. oui, my bad. Ouais, la game 1 où en fait tu fais ta mana mune en first, après tu fais le Luden et après l'Hydroboras. J'aimerais bien savoir pourquoi l'Hydroboras en first, si ça réellement c'est de la value. Bah, je pense, hein, a priori, il est en 3-0, il a de bons dégâts. Pour l'instant, les faits nous disent qu'il fait pas trop un mauvais choix. Oui, c'est clair. Mais attention parce que c'est quand même le seul perso de son équipe qui est un peu devant. Attention, Shluket qui fait un très bon go-in. On va se replier pour les over the top parce qu'il y avait la présence de Vince sur son Xin. Grimir qui met des gros trades. Sur Horn, gros en forme, pas en dégâts, parce que ça reste un Horn, faut pas exagérer non plus. Ah, il prend quand même sa petite sauce, hein. Bah, tu sais, c'est un peu le match-up qu'on avait vu entre Sion et Darius. Malheureusement, En moins Aatrox ça. extrême. Oui, en moins extrême, c'est sûr. Mais Aatrox, c'est quand même vraiment très fort contre les tanks. Et c'est un des mains de Grimir, parce qu'en passant. Grimir qui prend le contrôle de cette jungle topside, qui assoit sa Ouais. dominance sur la top lane, on a plus de 30 sbires d'avance. Harry qui Mais met un oui. bon cœur, l'aller-retour, des bons dégâts sur le Corki, et on recule, on pourra pas faire plus.
Ouais, c'est ce sur quoi enfin, je voulais rebondir avant qu'il y ait ces fights, mais grosse diff de DS de CS pardon, au top, en jungle et au bot, et CC Monice, ça a pas l'air s'arrangeant, qui va se faire un ratio par le Xin. Très belle ulti d'Akai qui va mettre de bons dégâts à la Lise et au Rakan. Akai qui avait anticipé le dash du Rakan avant de mettre son ultime. Ah, à la TP de Droppers. Ça ne fera pas grand chose. On a un Drake dans 45 secondes. C'est peut-être un peu tard pour rester autour. Et on fait un back commun du côté des Nthinganar. On fait un petit reset. Albiro va à la mid lane. On va faire crash la wave avant de faire son back. Tout à fait. Grimir qui a quand même plus de 2k gold d'avance sur son vis-à-vis, quasiment toute l'avance de Ouais. sa team, c'est lui. Ouais, bah il farme toute la jungle topside en plus des over the top, donc ça deny la Elise. Et lui il se met hyper bien. Il a plus d'un CS minute, hein. Enfin de 10 CS minutes, pardon, c'est un CS minute. Bah aussi, il a aussi plus d'une minute. Et le troisième Drake est apparu, c'est le deuxième pour l'équipe qui arrivera à le récupérer. Une âme d'air. D'ailleurs, je sais pas si. Bon, on n'a pas eu d'âme Hextech pour le moment, non? J'ai jamais commenté une âme Hextech. Alors j'en ai eu une hier. Ah oui, bah oui, évidemment. Hier, la première partie, Hellriders contre KDS Titan. Il y avait eu des Avec. dingueries ou pas? Ah, on a eu Maxtom qui a fait un move sur une map Hextech. C'est pas un truc Bah qu'on voit voilà. souvent, profiter de la map Hextech pour faire un move. Et ça a été la game là-dessus d'ailleurs. Très bien Mais moi, joué. c'est ce que je voulais voir. C'est ce que. En plus, je disais hier sur mon stream, tu vois. Quand je commentais l'autre game, et du coup, bah, pendant que je disais ça, attention, Albiro qui se fait attraper là. Albiro qui a fait un trap et qui se fait punir. Quelle drôle d'idée, le Attention, flash hit de Grimir. venir. Ah bah, ratio. Bah, le flash hit en 1v4, c'était une mauvaise idée. Mais que font les Nthinks canards là? Enfin, ils hésitent quoi. On avait dit au début de la compétition que les Nthinkanar dans la saison 1 avaient très mal porté leur nom parce que justement ils n'avaient pas int. On est heureux de voir qu'ils se montrent à la hauteur de leur nom durant cette saison. Ah mais là ils sont pas du tout dans les cordes. En plus c'est dommage parce qu'on a Grimir qui est très très bien, on a Akai aussi qui est très très bien dans la game. Et là ils se sont fait avoir un par un. Comme des bleus, ils étaient pas sur le timing du troisième Drake. Ils étaient un peu dispatchés là pour ce move. Et du coup les Overs the Top qui prennent une grosse avance. Hein. Mais attention Chouquette qui fait une très belle engage. Qui Mais déploie l'heure qui Paris. va tuer Albireo qui n'avait pas d'ulti. Attention néanmoins à ce Aatrox. Ouah les dégâts d'Aatrox! Ça a Ah, failli être un double kill. attention, hein, il peut faire la différence. Hein, Grémir là. Le Oh la triple QP! kill! Oui il va l'avoir, il va Le avoir, quadra! il va avoir Le quadra! le penta! Le penta pour Grémir! Il va aller chercher! Vas-y mon petit! Vas-y mon petit! Il veut pas. Non, le passif. Le passif. Il va deny. C'est Simonis qui Oui, va deny. Non, il le va. pentu, le pentard, c'est le pentard. Incroyable, Grémir. Oh, on le savait. Puis, oh là là, attends qu'il y avait tellement d'avance. Là, il y avait si peu de barres de vie côté over the top. Et Grémir qui sur un Q flashé a fait la différence. Et fait son pentakill, là il doit avoir le zizi tout dur. Les Nthinkanar qui font n'importe quoi. Qui jettent la partie au over the top, qui reviennent, on a Albireo qui se prend un cocon de la hélice, qui se fait dive sans aucun respect, et derrière, on a le Akai en flash, pentatrox. mais il se fait attraper. Attention, on a la TP. Attention à Trox. Et l'heure qui va tomber, l'heure qui va tomber. On va quand même aller sur Grimir. Non. Non, c'est Aatrox qui est très très fort maintenant, hein. Maintenant qu'il a deux items ennemis. Sivomis qui a quand même pris 2 kills hein, sur le move, plutôt pas mal, et Droppers qui est en 6-1-3, qui est en très très feed. Par contre, peut-être un peu dommage que cette Jinx se dirige vers un, bah, se dirige vers un RFC, non? Avec ce Zell, non? Alors ça peut.
Moi, j'en ai marre des Jinx RSC deuxième item, jouer un peu avec des couilles quoi et faites des dégâts quoi. C'est ce qui est classique sur Jinx. Les Jinx jouent comme ça fait un pouvoir spec 3 items qui est monstrueux. Mais effectivement, à 2 items, ça pue. Non, là tu fais un petit Dominique là en deuxième item. T'es violent! Comme ça. C'est comme ça que ça joue. Dominique deuxième item, troisième tu fais ton IE et finis tout pipeau. Ah, c'est comme ça que tu stuffes les Jinx, toi. C'est comme ça qu'il est stuff. Ma seule référence, c'est pas moi, c'est la LFL ou le C que je regarde. Oui, mais là on est en League of Madness. Oui, mais oui, évidemment. C'est bien autre chose la League of Madness. C'est un autre monde de possibilités. C'est Non, un mais monde. comme tu as dit, ça délaye vraiment le power space de la Jinx et c'est un peu dommage parce que ça. Enfin, du coup, elle a besoin en 3 items bien complétés pour faire quelque chose. Et avec le RFC, certes, elle est plus safe, elle peut mettre des dégâts de plus loin. Mais. Voilà, les dégâts sont pas fous, quoi. En fait, c'est un stuff qui est extrêmement fort à bas elo parce que les games ont tendance à durer longtemps. Et c'est un Oui, stuff d'accord. qui est fiable. Oui. C'est un stuff qui est fiable. Genre, comme la game dure longtemps et que c'est un stuff qui n'a pas beaucoup de risques, on va atteindre le power spike 3 items et on va être monstrueux. C'est pas Non, forcément. Après, si on est mais jeune joueur et que les games sont j'aurais été courtes. ok avec le move si Grémir était pas en 7-2 quoi. Le problème c'est que qui va pouvoir tomber Grémir? Pour moi il n'y a que Simonis qui est en état de le tomber et en fait enfin limite voilà, tu stuff en mode bah, moins safe mais t'es là pour canarder le temps qui peut être descendu par personne d'autre, tu vois ce que je veux dire quoi. Pour canarder, effectivement, j'aimerais qu'on prenne tous une petite minute pour regarder le message de Dindon dans le chat. Ah Voilà. on va l'afficher, je l'afficherai en grand chez moi. Attention, Grémir qui a tenté un flank et très bon flank de Grémir là. On a un Grémir très bon immortel ulti. en AV5. Oh l'ulti de Akai qui a tout des pop. Et Yveting Canard qui. Oula, Albireo. Ah oui, bah finito. Ça va être un A, je pense. Triplé, non, par contre, alors, c'est honteux. Parce que Albireo, je suis désolé, fait une partie honteuse sur son perso qui ne fait pas de dégâts. Il est en 0-3-2. Et là, il prend un triplé servi sur un plateau d'argent pour avoir relativement un bon KDA. C'est honteux. Pour pouvoir dire qu'il a Il fait une bonne game, hein. mériterait d'avoir 0-4. Je suis désolé. Et on a Grimir, hein, l'homme du match, l'homme de la situation, qui fait les bons flancs, qui est bien placé, qui est monstrueux dans tout ce qu'il fait. Ah, on a cancel le baron. Je pense que les canards sont au-dessus de ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas la peine, hein, Baron. Ah, c'est Simonis qui n'a même pas encore son vieil item là. Simonis qui est souffrant. Ah Ah, oui. alors qu'on a Miss Fortune qui a Ah. son percepteur, ça y est, c'est très douloureux ça. Les Jinx ont été en souffrance ce soir. Les deux Jinx se font RFC en deuxième item. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je pense que les Jinx devraient écouter tes conseils d'optimisation et seraient beaucoup plus fortes comme ça. Non mais, c'est même pas les miens. Mais... Pour regarder ce qui... En fait, pardon, parce que j'ai le hockey en même temps et c'est un peu chaud de parler en même temps d'avoir le hockey. Et ouais, faut s'inspirer des meilleurs pour. S'ils font ces stuff-là, c'est pas pour rien, tu vois. Après, je suis pas un main ADC et en plus, je me suis chié parce que Sismus ne fait pas. Enfin, n'a pas fait un RFC, mais a fait un Runan. Donc, je ferme ma gueule. Belle conclusion. Voilà, on a un petit moment de répit où les deux équipes respirent un petit peu. Grimir qui a déjà 3 items ennemis. Atrox qui est chaud, qui se prépare. Qui attend peut-être le prochain teamfight pour peut-être prendre un deuxième Penta.
Je En pense qu'il est plus dans ce qu'il... mindset. Le flank de LR, on met le cocon sur Vince. Le Rakan qui arrive, il met son ultime, le bump. Vince qui prend très très cher mais qui arrive à s'en sortir l'ultime Miss Fortune. Albireo qui pendant ce temps récupère le Corki. On met de très gros dégâts. On force le Rakan à reculer. Harry qui le tue presque. Vince qui chase la Hélice dans la jungle. Le cœur qui récupérera le Rakan. Alistar qui est là, il va pouvoir stun la Jinx. Elle ne fera rien, sauf peut-être prendre le Alistar en kill. Elle est récupérée par la Miss Fortune. Aatrox pendant ce temps joue avec la nourriture. Et voilà, ça s'arrêtera là. Très bonne action. Ah non. Oh! Ah, quand même. Je me disais. Très bonne action pour les Inti Canard là-dessus. Ouais, Albireo qui est en 5-3-3. Albireo qui... Non, Albireo qui a fait un bon fight là. Il, sur ce fight là, c'était mérité. Et Vince ah. qui se ah. fait instant karma par le Horn. Trop avancé. On arrête de respecter. Ça y est, on a fait des bonnes choses. Et on se fait punir. Mais Horn ne défendra pas plus, il n'a plus son Mais... R. La tour elle est prise tranquillement. Tu vois, comme on disait que les Jinx étaient un peu en difficulté le soir, c'est pareil pour Corki. Les Corki sur les deux games qui arrivent à avoir des très bons early et qui font pas la différence. Et ce que je reproche, et ce que je reprochais surtout sur le genre de fight qu'il y a eu juste avant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de phase de siège ou de prise de position où le Corki peut poser vraiment son poke. Et en fait, le Corki ne poke pas et. Et ne crée pas vraiment la différence dans les fights parce que avec ce stuff là t'es moins performant avec Orki sur les fights frontaux quoi. Ce Donc c'est un peu qui sad. est assez marrant parce que Corki c'est un perso qui est très très fort en late avec un bon scaling. Et là on a les Corki qui souffrent du scaling. Tout à fait. Et c'est pareil pour Jinx hein. Oui, pareil. Jinx qui font des Et... early qui sont pas mauvais et qui après n'arrivent plus à rien faire. Après on a Ornn qui est niveau 15, qui a amélioré son item, qui a pu améliorer l'item de Jinx. Peut-être que les OTT vont commencer à pouvoir remonter. Mais attention, on a Grémir qui ultime, on fait le go-in. Rakan qui fait un très bon ultime sur beaucoup de personnes. Shuket qui défend. Rakan qui va être récupéré par l'ultimis Fortune. On a l'ultiorn qui est là. On le met sur Aatrox, ah, mais Aatrox qui est y a intombable. Il est beaucoup trop devant ce Aatrox. Il tient tout seul tout le reste Ah, de l'équipe. Corki package. Mais on a plus Call Honor hein, pour. Le Ouais, package Call du Honor. Corki. Oh là là, bah non. Oh, Albireo qui se fait one shot. Mais ce sera quand même un fight remporté par l'Inting Canard. Grémir qui va aller tuer Sissi Monis sans difficulté. Grémir peut-être le tripler. Et non, ce sera un kill pour Akai. Akai, on n'a pas trop parlé, mais je trouve qu'il fait plutôt une bonne game. La botlane. Nitin Canard qui a fait je trouve un très bon travail en early en termes de en phase de laning. Et il arrive de trouver à trouver pardon de très bons ultis. Malgré le fait que le Call Honor essaye tant bien que mal à chaque fight d'aller le cancel, mais enfin, il se fait instant le pauvre. Mais les ultimes sont bons par Akai. Il est bien placé, ce qui est pas évident. Mais surtout, ça nécessite d'être toujours bien placé, de pas faire d'erreur. Quand il y a une Hélice en face, un Corki, un Rakan, c'est pas facile. Et pourtant, Akai s'en sort bien. Mais c'est bien aidé par ce titan Aatrox qui est présent partout, qui arrive à tenir la moitié du fight en 1v4 pendant que le reste de son équipe tue une personne. Ouais. Et Aatrox qui a 4 items, il a maintenant un gage de Sterak. Est-ce que c'est encore possible de le tuer? En fait, il faut de l'antil et... Il faut de l'antil et on a une côte de maille sur le Horn. C'est-à-dire que si le Aatrox tape pas le Horn, il n'y a pas d'antil. Il y a juste l'Hélice du coup. L'Hélice qui fait un bon catch sur Akai. Mais qui est excentré et du coup qui va mourir. Elise qui est montée, qui a voulu aller sur le lâcheur et qui a vu que Vince attendait, elle était un peu coincée. Ah il aurait pu faire le E sur le camp duo sur le. Oh attention Colonor qui se fait attraper par le charme. Putain, il met des dégâts quand même Colonor. Ça met des dégâts Rakan, what the fuck. Ouais, son Z fait mal, mais c'est tout. Une fois qu'il a mis son Z, il a mis 100% de ses dégâts. Ok. Et Aatrox qui est parti bouter les envahisseurs hors de la faille de l'invocateur.
Et on ne prend pas de risque sur ce Nashor. On le commence, on le cancel tant qu'on n'est pas sûr à 100% de le prendre. Les Non mais canards c'est qui sont bon, très hein. prudents. Ils sont en train de jouer avec la nourriture là, go finir. Faites le baron et finissez. On a Jinx qui Ah, va ça... avoir son troisième item. Plus le temps passe, plus les OTT ont une chance de remonter. Faut pas oublier ça. On est déjà à 30 minutes de jeu. On arrive au moment où les Jinx va devenir forte. Le cœur de Harry qui passe. On va peut-être dépop la Elise. Elle survivra parce que bah. Ah, elle dé... Elle est prise faire ratio. Voilà, ça c'est la différence entre un perso qui a les dégâts et Harry. C'est qu'Harry met tout parfaitement. Tue presque Elise, s'en va, et Elise le one shot presque en un seul combo. Bon après il a save ulti, hein, sinon il pouvait l'avoir plus facilement, mais. Oh la Colonna qui se fait trimballer de partout. Oh l'ulti d'Akai qui est très très bon là. Et Aatrox qui va récupérer si Simonis, on lui court après. Il y a le Ah non, il va Corki. pas récupérer. Oh attention sur Aatrox qui va peut-être tomber. Eh ben non, parce que le Aatrox est en 13-2 avec 4 items plus des mercures. 1900 gold dans sa sacoche. Il n'y a qu'un seul item utile de anti-heal contre lui, mais le seul porteur était mort. Du coup, personne peut contrer sa régène. En fait, par là, j'entends que pour tomber sur Aatrox, il faudrait que Sissimonis ait de l'anti-heal tier 2. Que le Corki aussi, mais Corki fait jamais d'anti-heal dans son stuff. C'est enfin là c'est hyper compliqué de tomber ce monstre qui est Aatrox. Et on a la Harry qui a fini son Rabadon. Donc ça y est, qui devrait enfin avoir les dégâts pour one-shot Elise sur un bon combo. Non, tout. Bah après c'est une Elise sans HP, genre t'imagines, il l'a même pas fini alors que la Elise a même pas 2000 HP. Quoi. Enfin merde, on parle d'un assassin, Harry. Hein. L'assassinat éclaté. Genre. Attention, Fouquet sur Colonor. Oh, Colonor qui se fait perma-CC. Et vraiment, Albiro qui prend tous les kills dans ce late game là, qui est en 9-4 alors qu'il était en 0-3. Chouquette qui allait très deep, qui s'est fait punir. Le Gwyn d'Albiro. Oula, Albiro qui se fait oula, oula, instantanément bah oui. punir aussi. Mais on a Grimir, l'homme de la situation, qui arrive, qui veut montrer Attends. que il est là. Et qui repart la queue entre les jambes. Oh, les très bonne ulti d'Akai encore une fois là. Et l'heure qui va temporiser avec son Zhonya. Attention parce que les 10 canards qui sont en difficulté là. Grimir qui Le a plus de flash in flash de out. Dropper. Ouais, mais c'est un peu dommage parce que le moment en fait où ils sont en train de focus Grimir. En fait, Grimir est en train de taper le horn pour essayer de régén, sauf que ce horn du coup a une côte de maille et enfin côte épineuse, pardon, côte épineuse, du coup qui bah il le tape, il ne régène pas suffisamment, il a failli passer. Tu vois, en vrai, si en fait, il y a un monde où il est over the top, si la Jinx prend le shutdown sur Aatrox. Déjà, le fait de tomber Aatrox, ça peut faire win un fight. Et côté over the top, on prend ce Drake au spawn pour ne pas laisser la soul au Intinkanar. Et Intinkanar vont directement au Nashor, on répond bien en cross-map. Ouais, bien joué de la part d'Intinkanar, hein, Le parce Drake qui est que. récupéré côté over the top, on a Corki qui a le package. Je pense qu'on se doute pour le Nashor. Non, on ne se doute de rien. Si, je crois qu'ils s'en doutent, mais. Ah bah. Mais on n'ose pas trop avancer. On a Harry qui est dans les parages, prêt à cueillir le Corki. Corki doit partir directement. Et on récupère le Nashor. Enfin! Enfin, les canards récupèrent ce Nashor qu'ils avaient commencé deux ou trois fois avant. Ouais, je sais pas si c'est worse. Parce que... En tout cas, très bon counter call d'Intinkanar qui se sont dit oh, bah, de toute façon, ils ont que deux Drake, ils peuvent prendre un troisième. Et en plus, une âme des vents pour nous, ça va pas vraiment faire la différence. Donc autant faire un call baron pendant que l'over the top font le Drake et c'est très bien passé. Un peu naïf sur ce coup-là, les over the top, je pense. Parce qu'à ce moment-là de la game, quand la game est aussi disputée et qu'ils sont pas loin de s'en sortir, c'est un peu dommage de laisser un baron. Et on se split du côté d'Intinkanar. On a Vince qui fait un back, encore une fois, très off tempo sur un Nashor.
comme la game précédente, on a vu exactement la même Ouais. chose. La team qui avance, qui se met en place, qui synchronise les waves, et le Xin qui traîne, qui fait son back trop tard. Ça, c'est dommage. S'il avait fait avec le reste de la team, ok, il aurait peut-être eu une armure d'étoffe de moins, c'est pas très grave, mais au moins il aurait été avec son équipe, il aurait pu avancer tout ensemble et profiter de la durée du Nashor. Tout à fait, mon grand. Parce que là, va falloir accélérer et finir la game vite. Si on joue la soul, ça va être un petit peu un flip sur la game. C'est un coup, est-ce que les canards. On va rien dire, on va pas leur porter la poisse, mais. Attends, parce que là, il y a deux lanes qui vont push pour les Hunting Canards. J'ai peur que ça amène un peu la panique pour les Over the Top et qu'ils prennent un mauvais fight à cause de ça. On prend inhibiteur mid, peut-être une rotation sur inhibiteur topside, mais attention, c'est compliqué. On a Corki au milieu qui empêche de se déplacer. Grimir qui va prendre cet inhibiteur tout seul comme Ogrand. Ouais, tu vois, ils savent pas trop où donner de la tête. Ouais, mais on a Akai qui a pris très très Au cher, qui n'est pas pire. présent pour le fight. Les Ouais, canards qui sont un peu Chouquette aussi dispersés a là. pris cher, hein. Chouquette a pris aussi un bon tarif. Et on va. Bon, on a pris deux inhibs, hein. C'est déjà pas mal, hein, pour les petits canards. On peut très franchement aller faire un back généralisé et jouer sur ce bot side. Et tu vois, là, on n'est pas synchronisé, on a toute l'équipe qui a fait son back, et on a Harry qui était resté pour faire un trap au cas où, et qui là se promène dans la jungle, ne sait pas quoi faire, mais tout seul. Attention, sur un cap, ça peut coûter très cher, ça serait vraiment dommage. Alors ça peut payer, hein, éventuellement. Ça peut payer, c'est une stratégie risquée. Voit Heller. Est-ce qu'il a l'info, Heller? Il a l'air d'avoir l'info. Ce Rakan tank, jamais il mourra tué par une Harry. Ok. Bien joué de la part d'Albiro. Bon, il a 1200 gold, c'est un peu dommage de ne pas avoir fait un back. Il aurait pu prendre un codex. Il aurait pu prendre, je sais pas, un protège-bras du savant. Enfin, des trucs quoi. Alors on a mis 4 membres de la team au bot pour essayer de forcer et on met Aatrox tout seul pour le top et le mid. Il en est largement capable. Ouais, en plus il a une TP. Mais tu vois, du côté des canards, on reste pas à 4 bots. On sait pas trop quoi faire, on n'est pas sûr de nos choix. On s'éparpille un petit peu et c'est dommage. Ouais, attention, attends, Akai qui se fait courser, mais attention parce qu'il peut finir la game là. Hein. Il y a des grosses waves. Le flash-in d'Albiro qui ne va pas passer. On chase de l'Aatrox, mais ça ne suffira pas. Aatrox qui s'en sortira sans aucun souci. Et Oui, Aatrox qui oui, ultime. oui, oui, oui. On a cru au dive fontaine, tourelle de Nexus. Ouais. Ah, il était chaud. On va aller chercher l'âme, je pense, hein, pour les Hinting Canards. On va attendre peut-être la minute qui reste. Bah, il va falloir, hein, là-dessus, les canards n'ont même pas pris la tourelle au bot. C'était pas Mais très bien organisé comme action. c'est dommage, hein, parce que ils prennent deux inhibs, ils peuvent mettre mass pressure grâce à ça et. Bah là ils ont même pas gratté la T3 alors que c'était free T3, hein, très franchement. Ils auraient dû, oui, bah comme ça partait, hein, laisser Aatrox tout seul au top et au mid. Il est forcé d'attirer au moins 3 personnes pour défendre. Et pendant ce temps, Ouais. à 4, on tombe la T3 au bot très très facilement. Alors que là, ça va jouer sur un 50-50 sur ce Drake. Attention, parce que je serais pas étonné par un backdoor de Grimir par exemple. Est-ce que ce sera le bon choix de faire un backdoor avec le Tipeee sur la soul et de laisser le reste de son équipe tout seul alors qu'il l'homme qui fait les teamfights, sans lui son équipe ne peut pas gagner un fight. Alors, regarde Il Grimir, y va, il a été il est en train de repéré. marcher au mid. Il a été repéré, il veut attirer les over the top. C'est bien joué, c'est bien joué, c'est très bien joué. Et il y a une grosse wave au top. Donc, les petits canards, ils vont faire ce Drake et vont récupérer cette âme. Très bon travail de Grimir là-dessus, qui Ouais. attire tout le reste de l'équipe, qui assure le Drake. Ouh, attention, c'est parti avec Chouquette, Kaflashin, Colonor. Est-ce qu'il va. Oui, Colonor qui va, je pense, survivre. De toute façon, on a peut-être un ulti d'Akai. Ouh, Camille, de gros dégâts sur Simonis, il va tomber sous les coups de Grimir. Oh là là, c'est une annihilation. Le Corki qui est tombé instantanément après avoir utilisé son package. Il y a trop. Ah, par contre, Taylor qui prend le kill, qui prend un doublé, notamment un kill sur Akai. Mais Mais Grimir qui l'Aatrox. récupérera tout. Très bien joué de Akai qui clutch un peu avec cette ulti qui met vraiment très très low Simonis et Grimir qui vient de last hit la décarrier. Qui était la seule menace hein, à Grimir.
Et le Aatrox qui est très loin à tomber, mais qui est récupéré. On prend l'Ace. On prend le Nexus. C'est le 2-1 pour les Inting Canard. Mérité, mérité overall. Et bien joué à eux. Bien joué aussi aux Over the Top qui ne démérite pas, qui ont fait une très belle première partie, qui ont un peu souffert du coup à la deuxième partie. Et là, cette troisième game qu'on peut espérer remonter, mais un peu trop d'erreurs, je pense, peut-être de macro ou de vision de jeu de manière générale pour l'emporter. GG aux deux équipes en tout cas. C'était une très belle confrontation entre ces vieux de la vieille, on va dire. Équipe qui s'était déjà affrontée en saison 1. Et du coup, bah, les Inting Canard qui sont un peu en 2-0 dans cet affrontement contre les Over the Top. Est-ce que ça serait pas le moment d'annoncer quel Biréo a été le MVP? MVP de quoi? De la game? Du BO, du BO. Voilà, c'est ce silence que j'espérais. On est sur Grémir MVP. Hein. Sur le. Ouais, bah oui, parce qu'il y a la Gwen. Ouais, oui, bah oui, je Bon, pense même que. sur sa Gwen, il a tout porté, il a été très bien. Il jouait quoi à Kai Game 2 déjà? Kai'Sa. Ouais, non, il n'est pas été assez bon sur Kai'Sa. Non, non, mais Grémir déjà. Enfin, sans lui, il gagne pas la game, je pense. Il a tellement clutch le fight au mid que. Parce que c'était dans une situation où les Over the Top avaient vraiment pris l'ascendant, avaient pris un très bon fight et c'était vraiment doomed pour Inting Canard et il a clutch et c'est mérité. Et du coup, on va tout de suite recevoir pour l'interview de fin de match Grémir et Albireo, le top et le mid laner des Inting Canard. J'aime. Bonsoir. Bonsoir les gars, bravo. Merci. T'es content Grémir, t'as ton MVP? J'étais pas là, j'y crois. Bon. Ouais. Alors Grémir, pas très très fort au niveau du volume, je vais te monter un petit peu. Bon, comment vous vous sentez après ce BO3 complet? Ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude. Hein. J'ai Une l'impression que fois je on suis pas gagne en douché 2-0 depuis sans 3 faire, mois. on s'est pété en 2-0, mais en général, il y a pas beaucoup de BO. La première game, j'avais beaucoup le poids serré. Oui. Mais point serré, mais en même temps, ratio. Allez vous faire foutre à 27 top laner là, vous foutez de la gueule de qui? C'était Bah, que. my bad. C'était. Non, mais genre, c'était. Il y avait vraiment un match dans le match hein, sur la top lane, j'ai l'impression. C'était. Même tout le long du BO, en fait, il y a eu que des ban top. C'était votre volonté à vous, genre de. Parce que vous pensez, je sais pas, genre peut-être que Satisfaction est le meilleur joueur de son équipe ou un truc comme ça, pourquoi avoir autant target le top? Last pick. Ouais, pour avoir Il a. l'avantage, oui, on Ouais, a vu que pour. ça. Bah, Mais il en y a eu. vrai, la personne qui a gagné sa lane au top, elle a gagné la game. À chaque fois. 100%, dans 100% des cas. Donc. En vrai, première game, j'étais weak side et au final, ma seule mort au top, c'est un trade kill. Hein. Moi, weak side, mid lane, incroyable. Hein. Non, au début, on voulait vraiment jouer jouer une comp late game. Et juste, ils nous ont pas laissé jouer et on n'a pas, ils nous ont étouffé. Et on n'a pas réussi à arriver jusqu'au moment où on était fort en late game. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait aussi la dernière game, même s'ils sont arrivés beaucoup plus Ouais. late et qu'à la fin ils étaient beaucoup plus forts que nous on était dans la première game. Mais voilà, on n'arrive pas à être Ouais, sage je. et ils ont très bien joué la première game. On a rien pu faire quoi. En tout cas, j'ai trouvé, enfin, en faisant écho du coup à votre premier match contre les Titans que vous aviez perdu, il y a quand même une. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration en termes de macro. Enfin, surtout en mode. On est plus safe sur les timings. Même trop safe, je pense, sur la dernière game où, genre, vous avez démarré, je sais pas combien de fois, le baron pour le cancel après. Est-ce qu'il y avait Ouais. un peu cette peur, du coup, de faire un peu des throws comme vous avez pu Non. faire Pour contre moi, les j'étais Titans? invincible. Allez. En vrai, on savait qu'on avait, on était sur une clock, hein, on avait un temps limite. On savait que si on laissait trop durer, ils allaient gagner.
Ils avaient une comp pour ça. Et en même temps, effectivement, on voulait pas trop... Enfin, le truc, c'est qu'on avait un Ashe qui était très très lent. Parce qu'on avait une MF létalité, on a une Arimide, on a un Xin Jungle, c'est... on a un Ashe qui est pas très long. Et... Ouais. Qui est très long, et contre un Corki, on peut pas le tenir très longtemps. Donc le truc, c'est que le Ashe, pour nous, c'était un truc qui était difficile à faire. Donc, et on voulait surtout pas leur donner des occasions de gagner. Hein. On voulait surtout pas les throw, quoi. Donc c'est pour ça qu'on y allait très lentement, même si c'est vrai qu'on aurait pu être plus incisif, plus agressif, mais on a préféré jouer plutôt safe. Ouais. Et bon, bah, overall, ça a marché. Même si c'était un peu trop safe. Non, mais c'est ok. Ah, oui, mais c'est vrai que, en tout cas, on se débrouille mieux quand on a des outils pour jouer en early game, quoi, en early mid. Parce que. Bah là les deux games où on avait de quoi jouer en early mid, bah on a réussi un peu à snowball. Ouais. Et on a réussi à faire des trucs, à être proactif et voilà. Donc, c'est cool. Ok. Bon du coup c'est de Harry, c'est la première fois que je le joue. Ah ouais, alors attends, parce que je vais te dire ce que j'ai dit en stream parce que je vais être honnête. Mais alors je trouve, sans offense, que tu es une fraude dans cette game. Parce que tu finis genre en 10-5, genre le mec a carry la game alors que t'étais en 0-3 et que t'as juste KS des kills pour remonter. Alors je tiens juste à dire que t'étais une fraude. Voilà. Alors je tiens à dire ton argument que dans les stats de dégâts à la fin de la game j'étais top. Ah voilà, ok. Donc, bon. Ça veut dire que ouais. Certes j'ai KS mais j'ai quand même mis des dégâts parce que sinon j'aurais pas eu ce genre de truc. Je trouve que l'argument des dégâts, c'est l'argument qui fait dire que j'ai raison. Bah non, mais vas-y, l'argument des dégâts, c'est contre le fait que j'ai KS. Parce que KS, non, mais... c'est pour les kills sans faire de dégâts. Oui, mais non, mais genre, tu peux faire des dégâts sans avoir de kills. C'est pas... Enfin, c'est pas... Faire des dégâts là, dans le vent, là, j'avais les deux. Non, mais j'avoue que je me suis fait porter par mon équipe. Là, oui. Vraiment, sans souci. De rien. Par mon top laner. Ah, ok. Mais du coup, je... Enfin... C'est la première fois que je testais le perso, c'est un peu bizarre, je sais pas si je fais mal ou si je fais pas mal. Il y a des moments où j'ai fait très mal et des moments où j'ai pas fait très mal. Mais par contre, les resets sur l'ult, c'est quand même pas mal. Hein. Genre, c'est quand même assez stylé. Ah oui, d'ailleurs, tu peux expliquer, parce que moi, j'ai pas trop lu ce qu'il y a eu comme changement sur Harry. C'est quoi ce type de reset? Grosso modo, ils ont lissé les dégâts, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les dégâts de tous les sorts. Et ils ont enlevé le fait que quand tu touches ton E, tu augmentes les dégâts que tu fais. Donc en gros maintenant t'es plus obligé de toucher ton cœur pour faire des dégâts. Je trouve qu'overall en burst t'as un peu moins de dégâts je trouve. Et en fait ah oui le burst de Harry oui. C'est l'ult. Et sur l'ult en fait maintenant et donc tu as 3 charges maximum, okay. Mais quand tu fais un kill tu regagnes une charge d'ult. D'accord. Et t'as aussi beaucoup plus de temps pour les utiliser. T'as 15 secondes au lieu de 10. Ok ok. Et merci à chaque fois que t'as un reset tu gagnes 10 secondes. Ok donc, merci pour l'explication et... qui a servi, je pense, peut-être dans le chat, il y a des joueurs de Harry, on sait pas. Et vous que j'explique Gwen je pense que les joueurs de Harry ont compris ce qui était passé dans le patch. Du coup, et on pourrait parler du up de Lilia en jungle. Non, bah, Lilia, tais-toi. Non, ce sera des sujets pour notre podcast, alors la saison 3, là, on avait parlé avec Knight. On fera des sessions patch. Bref. Le podcast League of Madness. Votre prochain match, il a lieu la semaine prochaine contre les Supernova. Les Supernova n'ont joué qu'un seul match pour l'instant. Est-ce que vous l'avez regardé et comment vous appréhendez ce match? Est-ce que je vais être cru? Ils font pas peur. Ils font pas vraiment peur. J'ai regardé leur game et ils faisaient beaucoup d'erreurs. Il a juste la DC, je trouve qu'il est pixel mécaniquement, mais le reste... Moi, c'est un mauvais jour, mais... On a pas regardé la game, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder la game. Non, mais par contre... Attends, Grignard vient de dire qu'il trouvait pas fort à part la DC. Ah, tu as. Ok. Oui. Alors, moi, j'ai pas regardé la game, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder les games, et on va évidemment préparer aussi nos drafts et tout, et on va évidemment les prendre au sérieux. Albireo qui est beaucoup plus sage que Grimir, on espère que Grimir se fera défoncer en top lane. Bah non, vous m'avez demandé mon avis, je le donne. Ah oui, j'ai une vraie question moi par contre. On vous a souvent eu en interview la saison passée, où vous disiez que vous avez finalement très peu de temps de training entre vous.
C'est tout ce qui est un peu fait à l'arrache. Oui, ouais, bah, voilà. Voilà. Là, j'ai ouï dire que vous êtes quand même bien préparé dans l'optique de faire ce tournoi. Qu'est-ce que ça change de déjà de plus se préparer Alors, bien préparé, je sais pas. Mais en non, tout mais cas, on se prépare. Oui, voilà. Et on traîne un... Alors là, on traîne un peu moins, mais on a quand même joué. Et de toute façon, même si on traîne peu, ce sera beaucoup plus qu'avant. Premier match, on a perdu. Voilà. je pense qu'en vrai, la compétition est plus dure que l'année passée, je pense. Dans notre groupe, en tout cas, je pense. Ok. Je pense que... En vrai, je sais pas. Mais en vrai, la compétition est plus dure et on va s'entraîner. Et je pense que ça va... On va s'améliorer, quoi. Enfin, en même temps, on peut que s'améliorer. Voilà. Ouais, la victoire va faire du bien aussi pour votre mental, pour la suite, je pense. C'est sûr, ouais. Et au fait, par rapport à ce que tu disais sur, mon champion, il y a aussi le joueur. C'est pas que un champion, c'est aussi un joueur incroyable. Et d'ailleurs, j'ai fait un super call Nash à un moment. Donc tu pourras... Parle de moi. Tu pourras me... C'est un peu, quoi. Genre... On est vraiment dans une discussion. Ouais, très bon call Nash. GG. Merci. Ok, et eh ben je pense qu'on va s'arrêter là avant que ça ne déluge plus. Ouais. C'est bon, ça va, il fait beau chez toi aussi. On vous remercie, ouais, les gars. Va, hein. Bonne soirée à vous. Je vous vire directement. Attends, je veux dire, au revoir. Au revoir. Allez, ça dégage. Mouah. Allez, Oust. Putain, ils partent même pas eux-mêmes, c'est terrible. Bon, bah du coup, voilà qui marque la fin de cette deuxième semaine de compétition. On peut se faire un petit point classement juste pour finir rapidement. Ouais, tout à fait. Alors, nous avons donc les KDS Titans qui ont joué deux matchs et qui sont à 4 points dans ce groupe A. Les Over the Top qui sont à 3 points en deuxième ex aequo avec les Inting Canards suite à leur victoire. Pas du tout, les Inting Canards ils sont à 2 points. Je sais pas pourquoi j'ai mis 3. Bah tu vois, il y a un peu de favoritisme mais c'est ok. Non, ils méritent pas leurs points, je leur enlève tout de suite. C'est une faute de frappe. Les Inting Canards sont 3e avec 2 points, puis les Hellriders Origin avec 1 point qui ont perdu leur premier match mais qui ont quand même pris une game, et les Supernova qui avaient perdu 2-0 qui sont encore à 0 points mais qui n'ont joué qu'un match pour l'instant. Ouais, à voir la confrontation entre les Hellriders Origin et les Supernova, mais alors à part les Titans que je vois vraiment... garder la même dynamique et garder cette place de numéro 1, je trouve que le groupe est quand même assez stacked et je pense que ça va bien batailler pour cette deuxième place. Bon, après les Titans peuvent choke, mais ils ont vraiment montré de belles choses, donc ça va être très dur de les déloger, même si les Hellriders ont failli faire. Les Riders ont failli le faire, ils nous montrent que c'est possible et on espère qu'on les verra faire quelque chose. Il y a 4-3-2-1-0, notre place sera la première. Les Titans qui sont confiants, qui ont déjà joué deux de leurs matchs, il en reste encore deux à jouer, tout est largement possible. On se retrouve dans la prochaine semaine à partir de mercredi a priori. Alors peut-être avant si des matchs s'organisent lundi ou mardi, mais en tout cas c'est fini pour cette semaine, ça c'est sûr. Ouais, pensez à planifier vos matchs, pensez pour les Inting Canards à mettre le screenshot du résultat de la deuxième game dans les résultats des matchs, vous aviez oublié. Si c'est pas fait, bah, on sera obligé de donner la victoire au Over the Top par défaut. Ah, ce serait bête, hein. Ça serait bête. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Autre chose à rajouter ? Non. Eh ben, bonne soirée à tous, à bientôt la semaine prochaine. Les histobugs, ça prend 2 heures pour acheter dans l'histoire. Va falloir vous débrouiller là, ça va pas du tout. Ouais. Allez. Bonne soirée, salut à tous. Salut.